Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission de BTFX. Aujourd'hui, on va regarder une belle vieillerie, le Korg Toneworks AX1500G, un pédalier multi-effet qui a près de 25 ans. Et franchement, il est super moderne. On fera peut-être un jour l'histoire de Korg, mais ça va être très long. Korg, connu pour ses synthétiseurs dans les années 70, crée des filtres mini Korg sous forme de pédales à la même époque. Korg produit une gamme complète d'effets en rack, ainsi que des pédaliers multi-effets. Lancée à l'origine en 1994, la série Toneworks de Korg, première famille de produits incluant un processeur de guitare acoustique, un simulateur d'haut-parleur rotatif, des distorsions de guitare modélisées, ainsi qu'une pédale d'expression, Korg nous propose un multi-effet ultra complet avec même un looper, ou plutôt une fast training, avec métronome inclus s'il vous plaît. Bon, c'est clair, comme d'habitude, les presets d'usine sont vraiment pas terribles. Il faut pas mal bidouiller pour trouver notre son. Le truc extra avec ce pédalier, c'est que nous avons un simulateur de cabinet. Bon, en fait, les cabinets, c'est les haut-parleurs. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Bon, ça doit venir de l'anglais. I'm go to cabinet. Non, en fait, je crois pas. Bon, nous avons plein de modèles d'ampli. Acoustique, classique compresseur, tube overdrive, classique distorsion, fat distorsion, metal distorsion, Seattle, Big Fuzz, US High Gain, British Stack. Et donc nous avons aussi plein de modèles différents de cabinets, que j'ai pas testé en fait parce que j'utilisais mon ampli, et que la simulation de cabinet marche beaucoup mieux en direct-in dans une sono. Effet de modulation relativement standard avec quelques belles surprises. Le classique chorus, le stéréo chorus, le classique flanger, mode delay, deux phaseurs, un effet extrême. Un pitch shifter très intéressant, un filtre, une auto-wah et un octaveur. Sur la pédale d'expression, on peut assigner le volume, une wah-wah, un traveler, c'est plutôt un filtre, le talk avec A-E-I-O-U, c'est vraiment marqué dans le mode d'emploi. Un chorus flanger, on peut bouger la modulation, U-vibe, pareil, le pitch blend, ça c'est vraiment incroyable. Le ring modulateur à la pédale d'expression nous propose des sons de ouf, un hold delay, tap delay, sample play. Et pour finir, nous avons les effets d'ambiance, comme l'écho, le delay et plusieurs reverbs. Les reverbs sont spécialement bien conçus. Il y a aussi un noise gate qui marche très bien, mais il faut vraiment aller le chercher. Et puis bon, on peut la programmer complètement, mais c'est vraiment assez complexe. Si vous avez envie d'en savoir plus, lisez le mode d'emploi. Et bien évidemment, nous pourrons régler les basses, les middle, les aigus, le drive, la profondeur de la reverb, le feedback pour le delay, l'intensité du chorus, du tremolo, du flanger, du phaser. Bref, maintenant on va passer au test. Thank you.
Thank you.
conclure, on peut dire que le Toneworks AX1500G de Korg est un multi-effet ultra complet. On peut le trouver d'occasion pour 50 euros. Bref, si vous n'avez pas peur de le programmer, d'aller chercher au fin fond du mode d'emploi, je vous conseille cette pédale au rendu extra. Merci d'avoir regardé ce test sur BTFX et à bientôt pour une prochaine émission.